Bonjour tout le monde, ici Super Canon, c'est appelé ça et on se retrouve pour un nouvel épisode d'Opération Arc-en-Ciel. Oui, je vous dis Opération Arc-en-Ciel car je ne dis pas le nom de l'épisode car je n'ai pas la moindre idée du combien on en est. On verra ça en montage malheureusement. Alors là on est au manoir Fortuna pour avoir le dernier ingrédient et si tout va bien on aura la première fin du jeu là. Si je me démerde bien. Une fusée. Oui, il faut trouver des images pour la seconde fin. Alors, je ne sais pas du tout. Oui, il y a pas de Ah, Tigrette est juste ici. Tigrette. Au secours, Lirius. Ah oui, ce jeu. Pouvez-vous passer cet amusement? Au revoir, à bientôt. Ah, il faut parler à lui. Vous voulez traverser, il va falloir utiliser ses étoiles pour ça. Pendule étoilée. Ah, c'est avec Amtaro, ok. C'est pas un jour déjà précis ça. Tout de suite. Pff, ok. Y a rien de dur hein, en fait. Mais je me suis quand même planté. C'est un jeu de rythme en fait. Ça se voit pas, mais c'est un jeu de rythme. Oui, je ne commente pas trop ce que je fais parce que là, faut être un petit peu concentré sur le game. Ok, mais arrêtez de me donner des images que j'ai déjà, c'est bien, bien, c'est pas swag. J'en veux pas des images que j'ai déjà. Bah bah c'est un dromadaire, d'accord. Oui, il faut faire l'autre côté aussi. Arrête-toi Tigrette. Oula, elle est terrifiée, ça a dû être. Elle a dû assister à des choses horribles. Mais non, t'inquiète pas, tu es en sécurité. Librius, par une peluche. Oups, on nous a encore joué un tour. Mais la pluie, je tiens quelque chose. Ah, carte d'or. Je pense qu'elle n'en voudra pas si je lui en, si je lui prends. Voilà. Bienvenue à la chaîne des prévisions de Fortuna. La carte est indiquée d'entrée sur le ring spécial. Ah oui. Ouais, je m'en souviens maintenant. Le ring spécial. Le jeu est un peu hard. Bon là c'est l'inverse. Donc on y aura quand même un beau trash quelque part. Même pas. Une lampe, ok. Ouais, il rapporte beaucoup ces jeux là. Hein. Plus tu peux les faire à l'infini. Enfin, tu peux les faire moins de fois. Alors... Le ring spécial. Je sais plus où il est. On va le visiter. Bonjour toi. C'est le fantôme qui disparaît. Bon apparemment le ring spécial c'est l'autre côté mais il y a un truc à côté. Il y a un truc là. Je suis un fantôme fou de peluches. Amenez-moi 4 peluches. Ah mais vous pourrez passer. Oui il faut aller tous les peluches. Là il y a une image. Amiral en mode le génie. On pourra passer une fois qu'on aura battu le truc qui est dans le... Alors là, il y a Arcaroto. Oui. Pour une tournesol, 3 graines. Bon. Il me semble que le jeu est assez dur. On va assister. Bon, l'épisode spécialement va être plus long. Et vous, mangez, essayez de manger plus que moi. Ah, il ne peut manger de toilette. Ok, oh. Oh, pas chemin à un tarot, allons les aider vite. Alors par contre, Pénélope, tout le monde s'en fout. Oui, lui, c'est méchant. Mais ah, vous, voici enfin. Elle a dit qu'elle est prête à se battre. Alors, ce sont eux mes adversaires. Ça alors, il ressemble beaucoup à Amidou. Voici le vilain Amidou avec nous, on est sûr de vous battre. Vous ne saurez plus lequel est le vrai. Il a l'air tellement méchant qu'on sera tout de suite. Tremblez devant moi. Tremblez devant mon Amidou. Vous m'en ferez grève, bon c'est... Avec un Amidou, hein. Alors, il faudra attraper le plus de gains de tournesol, mais... Si je me souviens bien, il est hard.
C'est un peu le jeu qu'on a eu... On a eu dans la foire, hein, TikTok. Sauf que c'était avec bijoux. Oui, il était un, parce que regardez, il prend beaucoup de graines, ton mec. Il nous pousse. Zut. Ok. Parce que, ouais, je m'en souvenais que je me mangeais quand même beaucoup de fois avec ces graines. Des champignons. Des champignons. Des délicieux champignons. Je ne digère pas les défaites. Tu es vraiment nul, vilain Midou. Il va falloir en avoir une. Yuku, elle a dit qu'on devrait partir d'ici. Pachmina Pénélope. Ah si, tout de même. Pachmina Pénélope, vous allez bien? Quelque chose n'est pas normal. Ah, je ne peux pas manger autant à l'œil. Yuku. On dirait que c'est encore une peluche. Bah alors, ils sont partis, les vrais. En tout cas, prononcez plus avec nous. Ah, pour le moment, on n'a pas encore eu de jeu avec Chapeau et Amiral. Pour le moment, Chapeau est le personnage qui sert à rien. Il est bafoué aux graines de vilain Midou et des saucisses. Mais attention aussi à sa prise de goûton et à son direct du grain. Ok. Et ça, tu sais qu'on boit pas. Je ne sais pas comprendre ce que j'ai dit. Je ne sais même pas moi-même ce que j'ai dit. Donc, il faut parler au fantôme qui est ici présent. Oh, que c'est mignon, j'adore les peluches. Ah, vraiment. Ça se trouve, ça sert. Ah, c'est un truc. J'aimerais avoir le machin, s'il vous plaît. Ah, il y a deux jeux, là. Papap. Vous êtes arrivé jusqu'ici, impressionnant. Mais vous n'irez pas plus loin. Mais nous ne serons rendrons jamais les filles. Alors, si vous les voulez vraiment... Youpiou! Allez, que vous devez nous battre pour elle. Alors après, le bon drapeau. Ah, ce jeu se joue avec tous les hamsters, il me semble. C'est un shoot'em up, il me semble. Pepe. Ah non, c'est pas, il y a deux jeux en fait. C'est un jeu de merde. Ça. En rond. À un moment, je crois qu'il va avoir deux commandes. Alors sur une manette, je vais pleurer ma mère. Là. Vous allez me tourner en rond, ça, je m'en fous complètement. Mais, oh là, il m'a bien stress. Bah. Oh là. Double commande là. Bon. Ok, des fois, il y en a pas. Ouf! J'ai eu peur de me perdre quand même, parce que c'est assez hard. Les cloches. Bah, c'est assez hard pour quelqu'un... C'est après le shoot'em up. Ah, j'en aurais jamais pensé que vous allez aussi loin. Mais je ne perdrai pas, vous allez voir de quel bois on se chauffe. Je me chauffe. Bataille de graines. Voilà, shoot'em up. Commencez. Alors, on joue tous les hamsters. Piou, 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 piou. Zut, bon, ok, j'ai perdu déjà un tarot. C'est un shoot'em up, mais pas hard du cul, hein. Voilà, j'ai eu... Ils enlèvent des piments. Hop, 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 hop. Ouais, il a pas un... C'est un shoot'em up, mais du pauvre, hein. Ok, Ernest, au revoir. Amidou. Alors, Pachmina. Bah, blague, Cam, le rose. Zut. Librius, à toi. Alors, Chapeau n'aura pas servi à quelque chose. Voilà. Chapeau, l'inutile. Et on gagne. Ah, il manque 3 points, dommage. Avoir une image. Impossible, comment as-tu pu perdre? Bon. Mais où Blackham va-t-il quand... S'en va-t-il quand il est vaincu? Ah, s'il ne gagne pas, c'est le bail. Bijou tout le monde.
Allez, vous devez vous réveiller. Oh non, il ne bouge pas. Amtaro, ne dis pas que tu ne vois pas ce qui se passe ici. Ah, il a raison, Amtaro, tu es vraiment trop drôle. Amtaro, c'est nous. Bijou, tout le monde. On donne un coup de patte à Topla pour son travail à mi-temps. C'était vraiment marrant, pas vrai, Penelope? Piu. Ce manoir va bientôt être ouvert en tant que parc d'attraction. Tout le monde m'a aidé à préparer l'amusement pour vous tous. Ça doit dire... Je dois dire ce que vous nous avez bien eu. C'est clair, mais ce costume. On fait aussi du party, on fait aussi un spectacle Black Am. Il nous fallait répéter. Ça vous a plu? Ah, bon travail tout le monde. Et on va assister à la première fin du jeu. Ah, c'est mon chef. Voilà la couleur violette. Ce n'est pas grand chose, mais voici le remerciement. Prenez-le. Waouh, c'est la boucle de cristal violette. On a aussi on a réussi un tarot. Et mon salaire, pas grand chose. Je ne parle pas de la boucle de cristal, mais de mon salaire, pas grand chose. Je t'ai dit d'oublier la boucle de cristal. Mon chèque, pas grand chose. Prenez soin de vous. Et attendez, où est le fruit de mon travail? Je veux mes graines. Apportons la boule de cristal violette à Arcourcel. Et voilà. Première fin du jeu. Et voilà, on va assister à la première fin du jeu. Arcourcel, regardez, regarde, c'est l'ingrédient violet. Qui a fait le crime? Désolé, mais la couleur violette, voilà. Violette, ça va, mais violet... Nous avons trouvé tous les ingrédients. Merci beaucoup à vous tous. Le manoir Fortuna était génial. Qui aurait cru que Topla était derrière tout ça? Tu le vois de la première façon où tu entres dans le manoir. Eh ben, je le savais depuis le départ. Mais on ne serait pas autant amusé si je vous avais tout dit. Très bien, je vais pouvoir créer la dernière couleur. Voilà, l'insulte d'amiral censuré au montage. Alors, malgré qu'il reste... Il y avait 6 couleurs... Le truc était quand même blanc. C'était dur de trouver tous les ingrédients, mais on s'était bien amusé. Ouais, on s'est bien amusé. Ça aura pris quand même 17 épisodes. Et la musique spéciale. On a réussi, tous les ingrédients ont été trouvés. Et donc je me taire pour... Et ben sachez que le jeu n'est pas fini, et je me taire aussi pour le durant le crédit. Là, juste le temps de la musique. Alors et là il range son parapluie et il va le reprendre à... non, même pas 10 secondes après. Je suis enfin créé un arc en ciel. Il ne tiendrait pas une minute de plus. Et vous non plus. Voilà, il sort, il entre. Le parapluie qui envoie des rayons laser arc-en-ciel. Bien la vie. Hourra, je peux repartir au royaume arc-en-ciel. Est-ce que le royaume arc-en-ciel est juste de l'autre côté? Non, il y a juste une gare qui est reliée au royaume arc-en-ciel. Je prends le train à cette gare pour rejoindre mon cher royaume. Arc-en-ciel, promets-moi de ne jamais me oublier. Allez pour la vie. Amtaro, sois sûr que je n'oublierai jamais personne. Nous sommes amis à jamais. Adios, amigos. Ah, c'est de bavardage. Il y a un S à bavardage, hein. Même si il s'en va, on peut toujours revenir, non? Il est temps de laisser notre ami rentrer chez lui. Et voilà, en fait, la première fin du jeu, en gros, il monte sur un arc-en-ciel. C'est des licornes, en fait. Et voilà, premier crédit du jeu, la fin de Amtaro, la première fin, parce qu'il y en a plusieurs, il y en a deux. Et pour avoir cette seconde fin, bah, est-ce que je vous laisse jusqu'à ce moment-là? Non. Après les crédits, on va s'arrêter là. C'était donc la première fin. Ouais, tout le monde monte dans le train, même si c'est un train bizarre. C'était le... Il y a même Rompchi. Bah alors le Rompchi, c'était le portail, le STP quoi. Déjà à l'époque je trouvais ça classe les qui est venu une seconde fin, même si le jeu bah il est ok, c'est Penelope qui conduit le train. Oh putain, on va tous mourir. Quel con qui l'a laissé conduire.
ça va qu'en ligne droite. Hein. Tchou tchou. Oh putain, je me fais poursuivre par un train. Attends, mais tu te fous de ma gueule? C'est moi ou attends, ou Harcourt ça se fout de notre gueule? Oui, je prends le train. Ouais, t'es à côté, tu voles devant le train. C'est pas pareil. Oui. Alors tout le monde ferme les yeux sauf Librius. Rien à foutre. Oh putain, mes yeux. Il se prend toutes les saletés du dans les nuages, mais c'est pas grave. Bah, mes yeux, je brûle. Et on débloque les gares aussi au passage pour finir faire la seconde fin du jeu. Oui, je considère ça comme une seconde fin étant donné qu'on voit les crédits là et qu'après la seconde fin on les reverra. Yamamoto Yoshida. Alors Hamtaro, il me semble que les jeux Hamtaro ne sont sortis que sur les jeux sur Game Boy. Hein. Il n'y a pas eu de jeux sur PlayStation, tout ça, il me semble. Makoto. C'est une femme, il me semble. Makoto, ouais, si c'est comme dans Street Fighter, c'est une femme. Enfin, disons un truc. Disons. Dans un certain sens. Bon oui, alors la seconde fois, ça te contente de faire ça. Hein. Yuki Notaka qui était à la musique. Aussi Ri. Ok. Sasaki. Oui, oh, l'épisode est plus long. C'est la même chose, hein, je pourrais le passer, mais non. Ah, Sébastien Lison, qui est la personne qui a, grâce à lui, qu'on a eu les jeux Pokémon Verfait, qui était là présent, me semble. Il est encore là, il me semble, je sais pas. On va regarder les crédits de XY hein, pour voir. Un spécial remerciement à Osamu Ogoshi et à Ishigo Tsukuda. Et putain, ils en font des spéciaux remerciements. Celui-là, il y a un nom chelou. Bah, je suis sûr que si un japonais irait en France et qu'il verrait nos noms, il dirait aussi vous avez des drôles de noms. Ah, voilà, on est arrivé. Alors, pendant tout le trajet, il a volé au-dessus du train, et là, monsieur E décide de monter. C'est toute notre bouche. Allez, tout le monde a... Voilà, terminé, tout le monde descend. On stoppe au player Ernest, regarde, tout le monde regarde le... Panda et chapeau en mode furtive. Trouvez ça drôle, bande de petits cons. Faites-vous barrer votre gueule. Bon, dans ce temps, Bumchi reste sur le train et meurt. Voilà, c'était la première fin de Hamtaro Opération Arc-en-Ciel. On se retrouve bientôt. Ou pas. Arc-en-Ciel, prince Arc-en-Ciel, heureux que vous soyez sain et sauf. Nous avons un gros problème pendant votre absence. Alors quoi, Arc-en-Ciel, le prince du royaume Arc-en-Ciel? Je me souvenais qu'il disait qu'il était... disait être une célébrité, mais un prince. Ministre, que s'est-il passé? Suivez-moi, je vous mettrai au courant. Eh ben, vous serez au courant, vous, mais les viewers. Y a vraiment un problème. Nous serons là pour y recourser. Nous aussi, on veut monter sur ce montage. Ah ouais, ils n'ont même pas le choix. Ah mais salaud. Bah, j'arrêterai l'épisode une fois qu'on pourra arrêter de bouger. Ah là oui, on a tous les garçons, on n'a pas les filles. Hamtaro. Ah bah merde, bon bah tant pis, vous saurez la seconde. Ça recoursait. Bienvenue au théâtre du royaume Arc-en-Ciel. Grâce au Hamam, j'ai pu rentrer chez moi. Content qu'on ait pu t'aider. Toi Hamtaro, écoute-moi bien, qu'est-ce qu'il y a? C'est bien que je sois rentré au royaume, mais pendant mon absence, aucun visiteur n'est venu ici. On peut difficilement s'imaginer la scène. En effet, donc voici la suite. Et voilà. Invitation au théâtre. Qu'est-ce que c'est? Des invitations? Exact, ce sont des invitations pour le théâtre arc-en-ciel. Je veux que vous les preniez et que vous serez à tous les hamsters qu'on a rencontrés. D'accord. On doit les remettre à tous les hamsters rencontrés. Tout à fait. Nous pensons jouer la pièce quand tout le monde sera là. Je veux dire ça. Cherchez aussi des arc-en-ciel dans les nouveaux endroits. Ils vous donneront accès à des zones que vous ne connaissez pas. Super. Il y en a tout 40 invitations. Et je veux que tout le monde les... que vous les donniez à tous les types de hamsters compris. Voilà, c'est ça pour avoir la seconde fin.
Et on commencera donc le dessin de l'arc-en-ciel au club est terminé. Quand vous irez au club, regardez-le tous. Sur ce, voilà, chers amis, c'était l'épisode de je ne sais pas combien. C'était la première fin de Hamtaro, les opérations arc-en-ciel. À partir du prochain épisode, on se mettra en route pour la seconde fin. C'était donc Super Canin, à vous les studios.